Béni est le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. Pour cette maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre pape patriarche Théodoros, notre archevêque Petros, l'ordre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé, tout le peuple, prions le Seigneur. Pour notre patrie, la Côte d'Ivoire et ceux qui la gouvernent, prions le Seigneur. Pour cette ville d'Abidjan, pour toute ville et toute contrée, et tous ceux qui vivent dans la foi, prions le Seigneur. L'abondance des fruits de la terre et des jours de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui sont en mer et dans les airs, les voyageurs, les malades, les prisonniers, pour tous ceux qui peinent, prions le Seigneur. Pour être délivrés de vos afflictions et inimités, périls et nécessités, prions le Seigneur. Spici passadoxa timike proskinisi to batri ke tu you ke tu ajune morti ni ke ai ke tu se ono to ne ono.
corps et encore en fait, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Invoquons notre Sainte Immaculée, toute bénie et glorieuse souveraine, la Mère de Dieu, toujours vierge, Marie de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Oh, toi, Seigneur. Car à toi appartient la force, à toi le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Mon âme exalte le Seigneur. Ma vie, chantez mon Dieu tant que je vivrai. Ne mettez pas votre foi dans les princes, dans un fils d'homme puissant à sauver. Heureux celui qui a pour aider Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur. Immaculée, toute bénie et glorieuse souveraine, la Mère de Dieu, toujours vierge, Marie de tous les saints, confions nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Quand tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Quand tu viendras dans ton royaume.
Sous-titrage
Bénissons le Seigneur. Car tu es Saint, notre Dieu, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Les cieux racontent la gloire de Dieu,
l'œuvre de ses mains, le fit maman l'annonce. À toute la terre, a retenti le message, le parole jusqu'au limite du monde. À toute la terre, retentit le message. La lettre que vous allez entendre est tirée de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains. Soyons attentifs, frères, à vos grâces et paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par le Christ Jésus, à cause de vous tous, puisque votre foi est renommée dans le monde entier. Ce Dieu auquel je rends un culte spirituel en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins que sans cesse je fais mémoire de vous et demande constamment dans mes prières d'avoir enfin en accord avec la volonté divine l'occasion de me rendre auprès de vous, car j'ai un vif désir de vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour vous affermir, ou plutôt éprouver le réconfort parmi vous. De notre foi commune à vous et à moi, Père, toi, lecteur, sagesse. Et dans ton esprit, lecture du Saint-Évangile
selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, donne à qui te demande et à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez qui vous maudit, faites du bien à qui vous haït, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ainsi, vous serez fils de mon Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et les impies. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous d'exceptionnel? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme les votre Père qui est dans les cieux. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes bien-aimés chers frères et sœurs dans le Seigneur, recevez la paix de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce jour, c'est un jour béni de Dieu, où le Père Curé fête ses 25 ans de sacerdoce. Et j'ai envie de dire ceci. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Merci à tout un chacun de vous. Merci pour votre soutien, pour votre encouragement, pour que la mission puisse avancer dans la terre, dans la patrie de la Côte d'Ivoire. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Nous demandons à la Vierge Marie, la Mère de Dieu, d'intercéder auprès de son Fils Jésus pour que ce ministère que Dieu nous a donné sur ce terre d'habitude. Amen.
tu restes devant. Seigneur Dieu se souvient dans son royaume de bienheureuses mémoires des patriarches, des archevêques, des évêques, des prêtres, des diacres, des moines, en particulier de l'homme de notre cher père Makopta Dobéancin, de l'homme de maman Yapo Suzanne, Madame Ologne, Victoire, l'âme de Dieu Daniel André, Tano Fosouenès, Bamine Kouame Adrien, l'âme de Roussino Emmanuel, Julienne Dieudonné, Marie Immaculée, l'âme de Georgette Babou, Rosette et Fouad, Ndri Michel, Kwame Krasitan, l'âme de tous nos fidèles décédés, l'âme de tous ceux qui se sont endormis pendant les événements les plus douloureux de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui les fasse reposer là où resplendit la lumière de sa force, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Accomplissons notre prière au Seigneur pour les dons précieux qui sont offerts. Prions le Seigneur pour cette maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu. Prions le Seigneur pour être délivrés de toute affliction, inimitié, péril et nécessité. Prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Que ce jour entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, demandons au Seigneur. Ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps, demandons au Seigneur. Pardon et rémission de nos péchés, de nos transgressions, demandons au Seigneur. Ce qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur. D'achever notre vie dans la paix et la pénitence, demandons au Seigneur. Une fin chrétienne sans douleur, sans honte, paisible et notre justification devant son trône redoutable, demandons au Seigneur. Invoquant notre Sainte Immaculée, toute bénie et glorieuse souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie et tous les saints, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Oh, toi.
par la miséricorde de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Paix en tout. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle. Mes frères, le Christ est au milieu de nous. Il est et il demeurera. C'est parmi nous. Le Christ est parmi nous. Salut les autres. Le Christ est parmi nous. Les pauvres, soyons attentifs dans la sagesse. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs à offrir en paix la sainte oblation. La communion du Saint-Esprit soit toujours envers vous tous. Seigneur, notre Dieu. Il est digne.
de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer partout ce temps ta souveraineté. Car tu es un Dieu inexprimable, incompréhensible, invisible, inaccessible, être éternel, toujours le même, toi, et ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Du néant, tu nous as amenés à l'être, tu nous as relevés, nous qui étions tombés, et tu n'as pas cessé d'agir jusqu'à ce que tu nous aies élevés au ciel et nous aies fait don de ton royaume à venir. Pour cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tous les bienfaits connus ou ignorés de nous, manifestés ou cachés, répandus sur nous. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu daignes recevoir de nos mains, bien que tu aies pour te servir des milliers d'archanges et des myriades d'anges, chérubins et séraphins aux six ailes, aux yeux nombreux volant dans la région élevée. Chantons, clamons, crions l'hymne de la victoire en disant c'est le Seigneur. Mon corps qui est rempli pour vous en rémission des péchés. Amen. De même, il prit le calice après le repas en disant : buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Amen. Commémorons donc ce commandement salutaire tout ce qui a été fait pour nous, la croix, le tombeau, la résurrection, troisième jour, l'ascension au ciel, le siège à la droite, le second et glorieux nouvel avènement. Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Dieu.
Dieu qui forêt, la mère de Dieu qui nous vierge Marie. Il était en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu. Bienheureux à jamais et très pur et mère de notre Dieu. Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins qui sont à chauffe-toi. Souviens-toi, Seigneur, de notre archevêque Pétros. Accorde à ta sainte Église qu'il vive de longs jours en paix, en bonne santé dans l'honneur, et qu'il soit fidèle dispensateur de ta parole de vérité. Souviens-toi, Seigneur, de tout et de tous. Et de tout. Aidons-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom honorable et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. On s'élève. Que les miséricordes de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous tous. Et avec ton esprit. Et rends-nous dignes, maître dosé, avec confiance et sans encourir de condamnation. T'appeler Père, toi le Dieu du ciel et dit notre Père. Et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. O ti presbici passadoxo, timi que proskinisi. Tu Patrick et tu you, que tu oggi un è morti, ninché ai, che tu si onos, tu ne onos. Paix en toi et à ton esprit. Inclinez
la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour les hommes de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Oh Dieu, sois un peu plus pitié de moi péché. Oh Dieu, sois un peu plus pitié de moi péché. Oh Dieu, sois un peu plus pitié de moi péché. Soyons attentifs. Laissez donc au un seul et Seigneur, Jésus-Christ, en la gloire de Dieu, le Père. Je crois, Seigneur. Inadvertance et rends-moi digne de participer sans encourir de condamnation à tes mystères très purs pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. À ta scène mystique, Fils de Dieu, reçois aujourd'hui. Je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis. Je ne te donnerai pas le baiser de Judas. Mais comme l'Aaron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras en ton royaume. De la participation à tes saints mystères, Seigneur, ne me sois ni jugement, ni condamnation, mais la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Viens vous asseoir. Onde grâce au Seigneur, car il est bon. Alléluia. Car éternel est son amour. Éternel est
qui nous a délivrés de nos oppresses. Alléluia. Car éternel est son amour. Alléluia. Veuillez vous lever. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. Bénissons celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Le serviteur de Dieu, le Seigneur.
suis la brebis perdue. Seigneur, appelle-moi, reçois-moi comme le bon là-haut. Peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit céleste. Nous avons trouvé la foi véritable. Adorons l'invisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. En tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire, car tu nous as rendu dignes de communier à tes saints divins, immortels et vivifiants mystères. Garde-nous dans ta sainteté, afin que les joies nous apprenions ta justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Tenons-nous droits ayant participé au mystère du temps du Christ. Mystère divin, Saint Immaculé, immortel, céleste et vivifiant, rendons grâce au Seigneur. Sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, oh Dieu, par ta grâce. Ayant demandé ce que je dois, sois parfait, saint, paisible et sans péché, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ, notre Dieu. Quand tu es notre sanctification, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Sortons en paix, au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui bénis ceux qui te bénissent et sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison, glorifie-les en retour par ta divine puissance et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi, donne la paix au monde, en tes églises auprès à tout ton peuple. Car toute grâce et tout ton parfait vient d'en haut et procède de toi, Père des Lumières.
et nous te rendons gloire, et nous t'adorons, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous par sa grâce et son amour pour l'homme. Dans tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Celui qui, sous l'apparence de langue de feu, envoyait du ciel le très Saint-Esprit sur ses disciples et apôtres, le Christ, notre vrai Dieu, par les mains de sa Sainte Mère toute-puissante et immaculée, par la protection des vénérables puissants célestes et incorporels, par les prières du vénérable et glorieux prophète, le précurseur Jean-Baptiste, par la puissance de la vénérable et vivante croix, des saints glorieux apôtres, des saints glorieux victorieux matins, de nos pères saints et au fond, de la sainte résurrection du Christ, patron de notre paroisse, de notre Saint-Père, David divine, la mémoire des saints justes anciens, Dieu, Joachim et Aaron, et de tous les saints. Car il est bon et ami des hommes. Par les prières de nos pères saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Que la Sainte Trinité vous protège tous. Seigneur, accorde-nous vie à celui qui nous bénit et nous sanctifie. Nous allons procéder à la distribution de l'antidoron, le pain béni. Tout le monde est invité à prendre ce pain. Après, nous avons les mots de bienvenue. Celui qui est chargé pour le maître de cérémonie viendra prendre la parole pour vous donner les étapes. Et de grâce, tous ceux qui seront invités pour parler, si votre discours ou bien votre mot dépasse 5 minutes, on va diminuer le micro et vous allez parler dans le vide. Donc 5 minutes, pas plus, pas moins. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous pour prendre le pain. Béni.
les enfants de Marie, ayez foi Marie, les enfants de Marie, n'iront jamais en enfer. Les enfants de Marie, ayez foi Marie, les enfants de Marie, n'iront jamais en enfer. Mais non. Vierge Marie, quand est-ce que je te verrai? Toi, tu me vois, mais moi, je ne te vois pas. Fais que je sois un peu que toute ma vie, au cours des dix jours, je gagne le paradis. Je te verrai dans ton paradis céleste un beau jour. Marie, Mère de Dieu, je te verrai dans ton paradis céleste un beau jour. Les enfants de Marie, ayez foi Marie, les enfants de Marie n'iront jamais en enfer. Les enfants de Marie, ayez foi Marie, les enfants de Marie n'iront jamais en enfer. Dieu soit loué. Nous invitons la maîtresse de cérémonie pour la suite du programme, s'il vous plaît. Nous venons de terminer cette célébration qui marque les 25 années de vie sacerdotale du Père Jérémie Béanzin. Nous allons à présent inviter Madame la Présidente des Femmes de la Communauté orthodoxe de Côte d'Ivoire pour son mot.
Dans cette même veine, nous allons inviter Madame la Présidente des Laïcs, Madame Bamba Philomène, pour son adresse. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous et nous recevons nos frères orthodoxes. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. En ce jour, nous honorons un homme qui a donné sa vie pour la cause du Seigneur, un homme qui a donné sa vie au service du Seigneur et ce, depuis 25 ans. En ce jour si spécial, je voudrais, avec vous, très cher révérend Père Curé, Jérémy Béazin, et tout ce beau monde qui est venu honorer notre Père, je voudrais élever ma voix solennellement vers le Seigneur, pour célébrer ce Père, le Père fondateur, le Père bâtisseur, l'archiprêtre Jérémy Béanzin. Avec vos ovations, s'il vous plaît. Années sacerdotales, 25 années au service de l'homme, comme je le disais tantôt, ce ne sont que des actions de grâce. Ce ne sont que des remerciements que nous pouvons élever au Seigneur. Son oui a été oui, et depuis ce oui, il continue l'œuvre du Seigneur. Premier prêtre de Côte d'Ivoire, orthodoxe grec de Côte d'Ivoire, il a su bâtir la maison et fait appel à des hommes qui l'accompagnent pour cette œuvre. Béni soit le nom de Dieu. Nous prions Dieu. Et nous prions la mère de l'Église qui a consacré aux très sainte mère de Dieu le Père Jérémy pour cette mission. Merci Seigneur. Merci. Vous voudrez bien nous excuser, nous sommes à la fois sur deux fronts. La présidente des femmes n'a pas pu être au rendez-vous, mais vous avez son remerciement. Merci pour votre présence. Merci infiniment à Madame Bamba Philomène, présidente des laïcs de l'Église grecque orthodoxe de Côte d'Ivoire. Merci pour votre adresse. Maintenant, nous allons inviter ces personnalités qui nous font l'honneur de vivre ce moment de grâce, ce moment de joie. Nous avons avec nous nos frères de l'Église orthodoxe, l'Église de l'éparchie orthodoxe des rites orientaux de France et d'Afrique. Au travers de leur présence, nous voulons mettre en évidence que l'Église orthodoxe demeure une et sainte. Nous allons à présent inviter le représentant de l'Église orthodoxe des rites orientaux de France, le Père Pacom Achija. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Il nous fait l'honneur de sa présence. On va encore l'ovationner.
très révérend Père Jérémy Sylvanus Pépin Bianzin, premier prêtre de l'église grecque orthodoxe en Côte d'Ivoire, archiprêtre de l'église grecque orthodoxe et vicaire du patriarcat orthodoxe grec d'Alexandrie en Côte d'Ivoire. Très révérend Père Charles-Marie Yenou, vicaire général de l'église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire. Révérend Père Gabriel, premier responsable de l'église orthodoxe copte, je crois qu'il est en route. Révérend Père, révérende sœur, illustre personnalité, invitée, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. C'est avec un immense honneur que je prends la parole ce matin au nom de l'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire, du patriarcat orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, pour rendre grâce à Dieu. Cette cérémonie qui marque la célébration des 25 ans du sacerdoce de notre aîné est une occasion de sceller l'unité de notre foi orthodoxe et d'élever devant le trône du Dieu très haut une action de grâce pour tous les bienfaits accordés à son serviteur. Il y a plus de 25 ans, cher aîné, que vous avez décidé de suivre notre Seigneur et de le servir en abandonnant tout et en vous consacrant uniquement à son œuvre. 25 ans, c'est-à-dire un quart de siècle, qui représente vos noces d'argent avec le Christ qui vous a aimé et vous a choisi parmi les siens. Ce jour est incontestablement un jour mémorable. Durant ces 25 ans, vous avez certainement traversé des épreuves et vécu des expériences fortes et marquantes. Mais, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous demeurez ferme dans votre engagement à sa suite. Notre éparchie, représentée en Côte d'Ivoire par le très révérend Père Charles-Marie Yenou, voudrait vous témoigner sa reconnaissance pour l'avoir associé à l'organisation de cet événement important. Très révérend Père, cher aîné, vous êtes une référence pour toute l'Église orthodoxe en Côte d'Ivoire et certainement un exemple pour toutes les générations de personnes qui ont été appelées à suivre le Christ à travers le sacerdoce. Très révérend Père et cher aîné, nous vous adressons nos chaleureuses félicitations et prions le Seigneur qui vous accorde sa bienveillance de continuer à vous bénir en surabondance. Puisse le Seigneur Jésus-Christ continuer de vous éclairer dans votre engagement pour son œuvre et comme le déclare le psalmiste au psaume 90, verset 17, que la grâce de l'Éternel soit sur vous et qu'il affermisse l'ouvrage de vos mains. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire du sacerdoce et bonne fête à tous. Paix à tous. Nous vivons la diversité dans l'unicité de l'Église orthodoxe. Nous allons à présent inviter le clergé grec orthodoxe de Côte d'Ivoire pour son adresse à notre père curé, le père Jérémy. Notre patriarche, lors de sa visite en Côte d'Ivoire, disait ceci: Père Jérémy, vous êtes la pierre sur laquelle nous bâtissons l'Église de Côte d'Ivoire et d'Afrique. La Vierge Marie, la souveraine de notre lieu sacré, est avec vous.
nous invitons le Père Albert pour le clergé de Côte d'Ivoire. Pardon? Nous invitons alors, nous invitons le séminariste Incho pour son adresse. Merci. Je voudrais bénir le Seigneur. C'est peut-être un témoignage. Dans la vie des hommes, il faut rencontrer de grands hommes pour marcher à leur suite. Quelqu'un disait qu'il faut vivre en laissant des traces. Et je pouvais dire ce matin, au moment où on me demande de prendre la parole au nom du clergé, dire qu'il y a un homme que j'ai rencontré dans ma vie et qui laisse des traces. C'est le Père Jérémie Béanzin. Je ne sais pas d'où il puise sa force. Je ne sais pas. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui ne se fatigue pas, qui ne se décourage jamais, qui ne fait que foncer. Et lorsque vous suivez un tel maître, vous avez l'assurance que votre vie se trouve dans les mains vraiment de Dieu. Je témoigne que j'ai rencontré un homme de foi, un homme de conviction, un homme qui a de la vision. Ce matin, Père, je voudrais témoigner devant tout le monde que vous n'avez pas vécu inutile. Je prie le Seigneur pour qu'il vous donne encore des forces, parce que de fois vous surpassez, vous dépassez les forces, vous dépensez les forces que le Seigneur vous a données. C'est-à-dire, vous consumez plus que ce que Dieu vous a donné. Mais c'est lui qui remplace ces forces-là. Qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse toute l'Église orthodoxe. Qu'il permette que dans cette œuvre de formation que vous avez entreprise, l'Église orthodoxe de Côte d'Ivoire soit réunie et grandisse pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci infiniment au frère Incho pour son adresse. Nous allons à présent nous préparer pour la 7e tranche. Aujourd'hui est un jour de joie, mais avant, nous allons arracher deux petits mots à cette personne formidable que nous honorons aujourd'hui, le père Jérémie Béanzin, que je vous demande d'ovationner très fort, s'il vous plaît. On va réparer rapidement cet impair. On me fait savoir que nous avons avec nous des frères prêtres, des pères qui nous viennent d'un pays voisin, le Cameroun. Nous allons également les inviter sous vos ovations, s'il vous plaît. Dieu soit loué. Dieu soit loué. À jamais. Dieu soit loué. À jamais. Bonne fête, mon père. Nous sommes heureux d'être ici. Très heureux même d'ailleurs. Vous pouvez, à partir de notre témoignage, comprendre que la lampe que le père Jérémie a allumée n'a pas seulement éclairé la Côte d'Ivoire, mais aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse. Je vais vous raconter une petite histoire, très courte. Ce jour-là, nous étions avec un ami à la chorale. Cet ami est aveugle de naissance. Nous sommes rentrés ensemble tard, vers 20h. On est arrivé chez lui. Et lorsque nous sommes entrés, il a allumé la lampe pour éclairer. Alors notre première réaction était, mais attends, je donnerai le nom Kofi à mon ami. Mais attends Kofi, pourquoi tu allumes? Tu es aveugle, tu n'as pas besoin de lumière. Alors il a éteint la lampe.
Il est allé dans la cuisine, il est rentré avec des tasses pour le café, il a déposé sur la table, il a commencé à boire, il nous a dit « servez-vous ». Évidemment, on n'arrivait pas à se servir, on était dans le noir. Mais lui, il le voyait parce qu'il est habitué avec le noir. Nous avons pensé, comme d'habitude, que certainement ce monsieur, on dit qu'il est aveugle, mais il voit. Comme on a l'habitude de le dire. Mais en fait, il ne voit pas. Et qu'est-ce qui nous a marqué? Il s'est levé, il a allumé à nouveau la lampe. Il nous a dit, je n'ai pas allumé la lampe pour moi, je l'ai allumée pour vous. Je voudrais que chacun de nous prenne un temps de réfléchir et de comprendre pourquoi est-ce que dans notre vie, nous n'allumons pas les lampes pour les autres. Pourquoi est-ce que les opportunités qui nous viennent et qui ne nous servent à rien, mais qui peuvent servir à quelqu'un d'autre, nous ne lui donnons pas la possibilité de les avoir. Méditons cette histoire. Le père Jérémie n'a pas allumé la lampe pour lui. Il a allumé pour que nous puissions, nous autres, être éclairés par cette lampe. Et ça, il n'y a que des hommes rares et très grands qui le font. Mon père, félicitations. Alors, vous avez le bonjour du Cameroun, l'Afrique centrale, des Bantous, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Dieu soit loué. Merci infiniment, cher Père. Je vais me répéter, Père Jérémie, vous êtes la pierre sur laquelle nous bâtissons l'Église en Côte d'Ivoire et en Afrique. La Mère de Dieu est avec vous. Merci infiniment, cher Père, pour 25 années de vie au service de l'homme, mais aussi au service de tout l'homme. À présent, nous allons inviter le Père sous vos ovations. Sous vos ovations. Nous invitons. Le Père Jérémie Béanzin, premier prêtre de la mission orthodoxe grecque en Côte d'Ivoire. Il est vicaire de son archevêque Petros. Il est vicaire de Côte d'Ivoire, mais aussi du Burkina. Sous vos ovations encore. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Mon nom, c'est Père Jérémie. Mais mon nom civil, c'est Washomple Kulachon. Je dis un grand merci à tout le monde. Et nous voulons rester dans le temps. C'est important pour nous. Alors, les informations sont très bonnes. Ce matin, nous voulons vous inviter à partager un petit repas pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Je tiens à vous dire, dans votre vie, si vous voulez être chaud, restez chaud. Si vous voulez être froid, restez froid. Et moi, je suis chaud. C'est à cause de ça qu'on m'appelle Washomple. Je dis un grand merci à tout le monde, sans exception, à tout le monde. Tout le monde. Alors, nous allons partir pour le partage. Mais la seule condition pour que vous rentrez dans la salle, c'est que tous ceux qui ont leur portable, nous avons le service sécurité qui va récupérer le portable de tout le monde avant que vous ne rentrez dans la salle. N'ayez pas peur, votre portable est en lieu sûr, comme dit et le gars là. Hein? Alors, c'est par gentillesse qu'on veut garder vos portables parce que
quand nous serons là-bas, nous allons faire concours de danse, nous les prêtres. On verra qui va danser plus que... Il n'y a pas les Camerounais, ils sont... les prêtres Camerounais, ils ne sont pas dedans. Hein. Ceux-là, c'est des danseurs. Nous qui sommes ici, on va faire concours de danse. Mais on ne voudrait pas que les gens nous mettent sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle on vous demande pardon pour l'amour de Dieu. On vous invite de venir partager le repas avec nous. Mais la seule condition, je le dis et je le répète, ceux qui ne me connaissent pas, vous aurez l'occasion de me connaître. Je suis quelqu'un, je suis comme ça. Pas de portable dans la salle. On n'aura pas de portable dans la salle. Peu importe la personne. Si tu sais que tu ne peux pas respecter cette condition, on finit la liturgie, tu rentres chez toi, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut me défier, il n'a qu'à rentrer avec portable. Comme on ne veut pas de désordre, nous avons des services de sécurité qui... On a mis des caméras partout pour surveiller. Si on trouve le portable dans la main de quelqu'un, on met dans l'eau. On met dans l'eau. Il n'y a que deux ou trois personnes qui sont autorisées à garder leur portable dans la salle. Parce que nous voulons passer un temps de joie. Il ne serait pas bon que vous nous empêchiez de faire le show. Ils vont tout de suite mettre sur les trucs. On dira que c'est le père de l'église orthodoxe grecque qui ne respecte pas les lois de l'État de Côte d'Ivoire. Hein? Ce qui est sûr, il y a à manger, il y a à boire. Nous disons merci à chacun de vous. Et ceux qui ne connaissent pas encore le qu'on appelle le lieu de réception, c'est en allant vers d'ici, en allant vers Café de Versailles. Café de Versailles à 150 mètres du lieu. On appelle ça le noce de Cana, là où Dieu a multiplié le vin. Une manière de vous dire, il y a assez de vin. Et comme le vin réjouit le cœur de l'homme, on sait qu'il y aura des gens qui vont beaucoup parler, il y aura des gens qui vont beaucoup danser, laissez-les exprimer leur joie. Raison pour laquelle le portable, je vous demande pardon. Si vous m'aimez, déposez votre portable de 13h jusqu'à 17h. Pas de portable. Hein? Pour l'amour de Dieu. De 13h jusqu'à 17h, pas de portable. C'est prévu qu'on doit quitter ici à midi. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Pepako. Très bien. J'espère qu'on a respecté. Très bien. Donc, merci à Père Charles, Père Pacôme, Père Alessandros, Père Eugène, Père les diacres, les sous-diacres. Merci au Père Sébastien, Père Albert, Père Abel, Père Serge, le sous-diacre Boris, le sous-diacre Chrysogone qui est venu spécialement pour ma fête, le super séminariste Barnabé, un homme de conviction, le super séminariste Uncho, un homme chaud comme moi. Lui et moi, on ne s'entend pas, mais on est condamné à travailler ensemble. Merci à la communauté grecque orthodoxe de Côte d'Ivoire. Et je vous demande pardon pendant les 25 ans. Si j'ai eu à offenser quelqu'un parmi vous, pardonnez-moi. Je suis comme ça, je suis de naissance comme ça. C'est naissance. Donc je vous demande pardon. Nous avons encore beaucoup de temps à faire ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. On va se lever. Ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui ont de voiture, aidez nos frères et sœurs. C'est-à-dire, ma prière, si nous pouvons être sans, ce serait une bonne chose.
On a invité 300 personnes, mais ça fait une semaine que j'appelle les gens pour dire que la cérémonie n'aura pas lieu parce que j'ai l'intention de diminuer le nombre de personnes. Plus on ne peut, on va bien manger. Plus on est nombreux, manger là ne va pas nous suffire. Donc, je m'excuse encore, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et je dis aussi un grand merci à son éminence, Petros, qui est l'archevêque de l'archidiocèse d'Accra, de Côte d'Ivoire, de Burkina Faso et du Mali. Nous lui disons merci pour ses conseils, merci pour son soutien, merci pour ses prières et que Dieu lui accorde une longue vie. Amen. Merci à Monseigneur Assoba qui a été mon aîné, avec qui nous avons passé un très bon moment. Et au fil des temps, le Seigneur a fait pour moi des merveilles et saint est son nom. Merci et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous là-bas. C'est sur ces mots que nous allons partir pour la septième tranche au lieu de réception. Pendant ce temps, on pourra assister à des prises de photos des différents clergés. Premièrement, ça sera les prêtres. On va très rapidement. On va commencer avec les prêtres dans un premier temps. S'il vous plaît, vous pouvez retirer la chaise. Donc, on va inviter les différents pères à rejoindre seulement les pères dans un premier temps. Seulement les prêtres. Dans un premier temps,